Rien à voir avec ce qui précède. On parle à présent de la clôture hier au palais Léon Bas de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. C'est le président de l'institution, Guy Nzuba Ndama, qui a clos les travaux en présence de plusieurs hautes autorités de la place. Comme l'exige la Constitution gabonaise, c'est le dernier jour ouvrable du mois de décembre que les portes de l'Assemblée nationale se referment, marquant ainsi la clôture de la deuxième session ordinaire et pour le cas d'espèce de l'année 2014. C'est le président de l'institution, Guy Nzuba Ndama, qui a clos les travaux en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles et des membres du corps diplomatique. Actualité oblige, le président de l'Assemblée nationale s'est longuement appesanti sur la notion de citoyenneté. Citoyenneté et démocratie, citoyenneté et responsabilité, en un mot, le rôle du citoyen dans la vie politique nationale. Guy Nzuba Ndama a fortement regretté pour le condamner les chants des sirènes qui plombent la vie politique et sociale, les grèves récurrentes dans les administrations. Morceau choisi. Le soutien de nos compatriotes semble en effet nous dire qu'ils préfèrent un pays doté d'institutions, imparfaites soient-elles, pas plutôt qu'un État où régnerait le chaos en l'absence de toute instance gardienne et régulatrice de notre contrat social. Aussi, désapprouvent-ils par la même occasion cette anarchie que certains acteurs politiques appellent de tous les vœux dans l'expression de leur opposition au pouvoir. Le tout, selon un élan d'irresponsabilité regrettable, doublé d'une rhétorique trompeuse. Trompeuse comme cette prétention à faire croire que désormais, seule leur personne à la tête de l'État pourrait résoudre les problèmes des Gabonaises et des Gabonais, puisque le Gabon deviendrait alors une terre où le lait et le miel devraient couler en abondance. Trompeuse comme cette tendance qui consiste à répandre l'épidémie des mauvaises idées parmi nos concitoyens pour déstabiliser le pays suivant de petits calculs politiciens étroitement égoïstes. Le président de l'Assemblée nationale a toutefois salué les assises sociales sous forme de forum qui se tiennent en ce moment à Libreville. La représentation nationale souhaite-t-elle que le dialogue tripartite en cours puisse minorer la part de suspicion parmi les acteurs, afin que règne une atmosphère de bonne compréhension réciproque. Guy Nzuba Ndama a tout aussi invité le gouvernement à accélérer la cadence afin de résoudre les problèmes des Gabonais. Votre devoir est de travailler chaque jour un peu plus à convaincre les Gabonaises et les Gabonais sur la pertinence de votre action. La représentation nationale, par ma voix, voudrait féliciter dans le même ordre d'idées l'initiative du Conseil présidentiel sur la santé qui a eu lieu le 29 octobre écoulé, lequel Conseil a pu confirmer la détermination de l'exécutif à poursuivre ses efforts d'investissement dans ce domaine selon l'exigence d'aboutir désormais à des prestations sanitaires qui soient à la hauteur des dépenses consenties par l'État. Avant de terminer son propos circonstanciel, le président de la première chambre du Parlement gabonais a dressé et salué le bilan des travaux de la deuxième session ordinaire 2014, dont les rideaux sont bel et bien tombés, ce mercredi 31 décembre. Les honorables députés peuvent aller en vacances parlementaires, pour ainsi dire avec le sentiment du devoir accompli.